Allez, dire tout le monde, c'est BGK. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on va faire un petit comparatif, donc un petit test avec les suspensions des véhicules. Donc, on a choisi la Dominator GTT parce que vous allez vachement remarquer la différence de vitesse entre les deux. Donc, pour ce faire, on va jouer sur les suspensions, comme je vous l'ai dit. Alors, Nuken, lui, va être en par défaut. Moi, je vais être en AFC. Donc, pour cela, vous allez dans le menu d'interaction. Vous descendez à véhicule, vous pouvez le faire sur les véhicules du DLC, et vous allez vous mettre en AFC. Donc par défaut, Nuken sera comme ça, et moi je serai en AFC, vous allez voir ce que ça va donner. Au cas où, je vous le précise, si jamais quand vous êtes en position de véhicule AFC, la voiture tourne largement moins que si vous étiez en par défaut, mais je pense que vous le savez. Mais je préfère quand même le préciser. Donc on va lancer une petite grenade pour donner le petit top départ. Déjà vous pouvez voir que la voiture est vachement... elle est très basse, et bah, elle est collée au sol quoi. Donc hop, rip la vitre. Bah galère un peu à partir, mais vous allez voir, là il va me tracer. Et d'un coup c'est moi qui va le tracer, je vais le rattraper mais d'une manière, voilà. Là tu le remarques un peu beaucoup quoi. C'est insane quand même. Tu vois la différence entre celle par défaut et les suspensions à fessées quoi. Et t'as mon perso qui s'enjaille, il est tout content. Bon, ma foi. On va lui dire de se mettre en par défaut. Enfin, lui en AFC, moi je vais mettre en par défaut. Ok, donc maintenant c'est moi qui suis en position par défaut. Nuken, lui, est en AFC. On va se mettre à sa petite hauteur comme ça. Il n'y aura pas de jaloux. Bon, il pleut donc le départ va être un peu plus compliqué. Et vous allez voir que ça va rien changer du tout. Hop, on va attendre qu'elle explose. Hop là, et on est parti. Bon, là on patine à cause de la pluie. Le départ est un peu plus compliqué. Moi je vais rester bien dans ma lignée droite. Lui, il va commencer à me dépasser là. C'est incroyable quand même. La voiture, elle te tape une accélération, mais laisse tomber. Hein. Regarde, ah ouais, c'est ouf quand même de le remarquer. Donc vous pouvez le faire avec les voitures du DLC, évidemment, mais je trouve que ouais, ça se remarque un peu plus. Oula, 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 oula. Ça se remarque un peu plus avec avec la Dominator GTT, c'est vrai. Sinon, il y a la Calico qui marche assez bien aussi au niveau performance en AFC. Puis voilà, n'hésitez pas à le tester, vrai, c'est un peu drôle de remarquer cela. Par contre, la pluie dans le jeu, c'était pas la bonne journée pour faire la vidéo, mais bon, écoutez. On s'est bien crash à la fin, c'était fun, n'hésitez pas à le faire. Faites des courses avec vos amis si jamais ils le savent pas. Vous mettez en AFC, resteront par défaut, parce que elle est par défaut la voiture. Donc ça peut être assez fun, tu vois, tu vas les tracer, ils vont rien comprendre, et puis t'as vu comme ça te tape une accélération, enfin. Bien sûr, au départ, c'est toi qui le bats, mais la voiture, elle prend de la vitesse, et après, elle te trace en ligne droite, quoi. Mais bon, après, c'est très bien quand vous faites des lignes droites ou quoi, mais pour tourner, c'est quelque chose qui est horrible, les suspensions AFC, donc... c'est à vous de voir comment vous souhaitez faire. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci à Nuken Predator, mon acolyte, toujours de me suivre dans les vidéos. Et puis écoutez, voilà, c'était BGK. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bonne soirée. Ciao tout le monde.